visite de travail dans le village Engaku ce dimanche, Bien-Aimé Obamondon a rencontré cet échantillon de ses mandons dans cette descente parlementaire. Un retour à la base qui, pour le député de Gomboma 2, est un devoir pour tout élu du peuple. Face à ces populations, derrière les chefs des villages de la circonscription électorale, le député du PCT a fait la restitution synthèse des grandes conclusions de la 4e session ordinaire de l'Assemblée nationale. Étant en période d'intercession, nous sommes venus rendre compte à la base des différentes sessions, notamment la session budgétaire qui s'est tenue en décembre. Nous avons voté le budget, il fallait rendre compte à la population. Recueillir les doléances des mandants après avoir accompli ce devoir du mandataire, c'était l'autre point de cette rencontre. Les problèmes qui minent les populations de Gomboma 2. Vraiment, il y a la situation, il y a les bénévoles, il y a la circonscription. Mais ça fait de cela au 4e mois, tous les impayés. Pona mai basi bazolo ba kuromba to bazolo ba na lingi pona l'école maloba ya mato yoka na lingi avant que le yote le makota na l'école misone mona. Soulevé ici par ce responsable du village Engaku. Il nous manque beaucoup pour vous dire. Nos écoles manquent de tables bancs, même des tableaux. En gros, vous connaissiez toutes nos souffrances. Nous souhaitons également que de telles rencontres soient régulières pour que nous sachions tout ce qui se passe au sommet. Rencontrer régulièrement sa base, c'est un engagement pris par le député de doubler l'effort en cette année 2024 pour se rapprocher encore de ses mandons. Vous savez qu'il a été aussi décrété cette année, année de la jeunesse. Et qui dit année de la jeunesse ne donne pas que les droits. Pour nous, les jeunes qui avons des postes à responsabilité, il va falloir aussi briller par l'exemplarité. Et ça, c'est être sur le terrain. Chacun devrait bien faire son travail. Député que je suis, ma place est sur le terrain. Si l'année j'étais dans ma circonscription 10 à 5 fois, ben cette fois-ci, il va falloir être ici 50, 100 fois. Les questions sur l'éducation, avec notamment l'insuffisance en personnel enseignant ainsi que la précarité dans laquelle étudient les élèves, Bien-Aimé Obamondon dit avoir pris acte en annonçant la disponibilité de plus de 300 tables bancs déjà à Gomboma Centre. Il ne reste plus que leur acheminement dans les différents établissements scolaires de la circonscription électorale. Après donc Engaku, Bien-Aimé Obamondon va poursuivre ses descentes dans d'autres localités de la circonscription.